Non, j'ai jamais. Peut-être j'ai passé en français. Essayez en français. Oui. Désolé si j'ai fait Non, de non, c'est pont, mais. parfait. We love him. We love his accent. So let's watch today this compilation of Bradley Cooper speaking French and see what we can learn from him. Quel film tu pourrais regarder sans arrêt? Quel est le film que tu pourrais regarder Il y a plein de sans te films lasser que... C'est-à-dire que tu as d'abord le voir, tu te lasses je pas. Je comprends. Ouais, il y a plein de films que je peux regarder sans arrêt. Il y en a un comme ça qui te vient? Non. Ah, ok. Il y a plein. Non, je connais pas. La réussite du premier Very Bad Trip ouais. a-t-elle entraîné une grosse pression pour toi pour le tournage du deuxième? Qu'est-ce que c'est la question? Est-ce que tu étais under pressure pour le tournage du deuxième non, à non. cause du succès? As you can see with Bradley Cooper, he didn't understand the question, so he asked the lady to repeat again. So for yourself, if you don't understand, don't be afraid to ask to the person who's speaking to you to repeat one more time, twice, three times, just for you to understand and to carry on with the conversation. Okay, let's continue. C'est qui oui, les deux qui restent? Les deux qui restent, ouais. Je peux pas dire, hein. Mais vous le savez. Oui, bien sûr. Vous ouais. savez exactement oui, quels sont les personnages oui. que vous avez envie de enfin, jouer. Enfin, un personnage. Oui, un, oui. Un président des États-Unis. Non. Non. Un homme politique. Non. Non. Je ne peux pas dire. Hein. Je peux pas deviner. C'est un métier? Non, pas du tout. Non. C'est un personnage historique. C'est historique? Un personnage historique? Ah oui. Peut-être c'est quelqu'un qui dans le monde de musique aussi, mais pas musicien. Ah non, je vais pas dire. Tu es bien, hein. Ouais, ne le dites pas. Peut-être j'ai pas inquiété à faire des défauts, hein. Tu sais, je peux communiquer, hein. Je sais que mon grammaire c'est débile, mais je veux communiquer et c'est pourquoi je fais des répétitions toujours. I really like the reason why Bradley Cooper wants to speak French because you want to say something, you want to communicate. So forget grammar, forget the difficulty on learning a new language, forget the mistake you can make. Focus on what you want to say, that is the most important. C'est quoi la définition d'une grande star aujourd'hui? En 2018. C'est quelqu'un qui trouvait sa voix dans le monde et trouvait ce qu'on veut dire et dit ça sans exception. Vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi les... Moi, je sais pas. si, j'ai compris. Alexa veut savoir comment tu vis ton succès aujourd'hui. Je suis tellement content. J'ai beaucoup de gratitude. Gratitude, on dit ça. Rhea is not sure about the word gratitude, so he's asking to be sure that word, we use that in French. So for yourself, speak up, and if you're not sure about the word, just ask for the right one. Elle a un cœur, oui, j'ai dit corps toujours. Cœur ou corps? Cœur. Elle a les deux, hein. Elle a les deux, mais... Elle a un corps ou un cœur? Cœur. Elle a un cœur... extraordinaire. Oui. J'ai même lu que vous aviez accompagné DiCaprio dans sa chambre avec oui. les sacs, les valises. Ah ouais, c'est bizarre, hein, mon Dieu. Ouais, je me souviens bien. Hein. Ouais, on est dans le lift, on dit lift. L'ascenseur. Oui, ouais, c'est beaucoup mieux. Bradley Cooper's French is really good, but he's making a lot of mistakes. But it doesn't really matter because he's trying. He's trying really hard, and that is really good. So don't be afraid yourself to make mistakes, because it's by making mistakes that we learn. On est dans le lift, on dit lift. L'ascenseur. L'ascenseur, oui, ouais, c'est beaucoup mieux. Dans un ascenseur. Oui, dans un ascenseur avec tes amis. Je me souviens, il était là, juste à côté de moi. J'ai dit, bah, mais c'est Leonardo DiCaprio. Est-ce que vous... C'est les chœurs de... Mais vous la connaissez pas? Oui, je connais bien. C'est moi qui ai choisi ça. Ah bah oui. Non, alors, il a raison. Oui, j'ai une petite fille, hein, et la musique à la maison, c'est tout le temps ça. C'est des petites chansons russes? Oui. C'est ça, c'est pour oui, ça. Oui, c'est ça. Ok. Ouais. Bah, quand tu m'as demandé la musique qui est dans ma tête, c'est ça. Eh bah, ben merci beaucoup. It's all for today. Merci beaucoup. Check on the channel. We have more compilation of celebrities speaking French.
And you can like, you can comment the video, you can subscribe to the channel to be updated with new content. Merci Bradley, merci Chuyu. Au revoir.